t'es fan de plantes, viens vite me rejoindre sur ma nouvelle chaîne Les Plantes du Hérisson. A tout de suite. Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. J'ai décidé de vous prendre avec moi pendant 10 jours pour refaire un challenge 10 jours 10 livres. Donc voilà, je suis lancée là dans des lectures. Je me rends compte depuis quelques jours, je dévore du livre et je me suis dit bah profitons-en pour faire ce fameux challenge que je fais quand même régulièrement sur la chaîne, que ce soit 7 jours 7 livres, 14 jours 14 livres, 10 jours 10 livres, c'est le même principe. J'essaye de lire pas mal de livres quand même, et en ce moment je suis plutôt dans des lectures hyper addictives. Alors je compte pas forcément le nombre de pages en choisissant mes livres pour le coup, enfin en tout cas ici pour cette lecture j'ai pas forcément fait attention au nombre de pages. Je me suis dit bah c'est un thriller, je vais lire super vite. Ici je suis avec Les Filles des Autres de Emmy Gentry, qui est un livre américain, traduit de l'américain. Donc ici on est dans un roman qui nous parle de la disparition d'une jeune fille, puisqu'on est dans une petite famille qui a deux filles, Jeanne et Julie, et Julie va un jour disparaître, elle va se faire enlever, on va jamais la retrouver. Sauf que justement au début du roman on est 10 ans plus tard, quelque chose comme ça, et quelqu'un sonne à la porte et en fait c'est Julie qui a évidemment vieilli et qui arrive, qui fait coucou, je suis là. Et donc on va se poser plein de questions, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là je suis au tout début, hein, on a été à l'hôpital pour un peu l'ausculter, pour voir ce qui s'est passé. Les parents sont un peu sous choc de retrouver cette fille après tant d'années. Franchement je pense que je vais passer un super moment. J'espère juste que ça ne ressemble pas trop à un autre livre que j'ai lu un peu dans le même style. Donc j'espère juste que ce sera pas trop ressemblant. Sinon je suis aussi toujours dans ma lecture d'un livre en anglais. Alors celui-là je pense pas que je vais le rentrer dans le challenge, parce que j'ai envie de le lire à mon aise. Bah, de toute façon en anglais je lis pas très vite, hein. Bon ça va parce que c'est de la jeunesse, hein. C'est Emily of New Moon de Lucy Maud Montgomery. Je vous en ai déjà parlé dans le dernier vlog. J'ai commencé cette lecture, je pense que ça va être assez bon enfant. L'histoire d'une jeune fille, Emily, qui vient de perdre son père, là au moment où je suis dans la lecture, et elle va être adoptée par la famille de sa mère. Et on va découvrir un peu ça, hein. J'avance très lentement, hein, vu que c'est une lecture en plus en parallèle, donc je la prends pas tout le temps avec moi. Mais donc aujourd'hui je vais partir bosser là dans 3 minutes, je vais le prendre avec moi, je sens que je vais passer un super moment avec cette lecture. Je suis dans une phase, je vous en ai parlé dernièrement, dans une phase où j'ai envie de dévorer du livre et particulièrement du policier. Je me suis privée longtemps, je me suis rendu compte qu'en fait ça me manquait. J'en ai lu quelques-uns l'année dernière, mais c'est vraiment mon genre préféré, le roman policier. J'adore ça, policier thriller, hein, les deux en fait. Hein. Et ça m'a tellement manqué que là je suis en train de m'enfiler des livres jusqu'à m'en dégoûter presque. C'est pas encore le cas, mais je sens qu'il y aura un moment où je serai là, j'en veux plus. Et là j'en ai lu 7 ou 8 d'affilée quoi, donc voilà. Bon, allez, je vous retrouve plus tard pour vous parler évidemment de mes lectures. Hello, je vous retrouve un peu plus tard, on est à la fin de la journée et j'ai terminé cette lecture. Vous allez me dire mais tu n'as pas été bossée, tu n'as fait que lire. Bah écoutez, ça se déglingue, hein. En fait la grande particularité quand même des romans policiers thrillers, c'est pas des livres où... Je vous avoue, j'ai un type de lecture assez systématique et assez psychorigide qui fait qu'en général je relis beaucoup les phrases, mais s'il y a bien un genre littéraire pour lequel je ne m'attarde pas sur les détails, enfin deux genres, c'est la romance et le policier thriller, parce que justement j'ai envie d'avancer très vite. Donc en fait je fais une lecture normale et il se fait que visiblement, moi quand je lis un thriller ou un roman, une romance, bah ça va super vite et surtout bah... J'ai 3/4 d'heure de transport aller, 3/4 d'heure de transport retour, et puis je me suis posée 1h30 en rentrant et c'était bouclé en fait, parce que c'est vraiment un livre qui se déglingue. Alors il fait 350 pages, ça se lit super vite, voilà. Donc même en bossant, j'ai réussi à déglinguer un livre aujourd'hui. Je viens un petit peu vous en parler, je vous avoue que c'est pas la lecture réjouissante que je pensais. Alors oui, ça se dévore. Je vous ai fait un petit résumé tout à l'heure, je vous avoue je ne suis pas enchantée par cette lecture, contrairement à plusieurs thrillers que j'ai lus récemment, parce que en fait à un moment il se passe quelque chose dans le livre prend une tournure un peu différente, et en fait c'est une information qui m'a déçue. Et en fait c'est tout à fait personnel, hein. C'est un moment il se passe quelque chose dans le livre et je me dis ah ouais mais j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Parfois ben, il y a des choses, on n'est pas content, et du coup forcément j'étais un peu moins intéressée par cette lecture, du coup j'ai eu envie de la finir un peu plus vite que prévu. Je me suis dit bah je vais essayer de l'achever aujourd'hui, comme ça je peux essayer de lire autre chose. Je trouve aussi que ça manquait pas mal de crédibilité, parce qu'on a cette petite famille qui retrouve Julie après des années, Julie revient
Et ça fait 8 ans, et elle revient, et c'est vraiment bizarre les relations entre les personnages. Alors oui, a priori ça peut être vraiment bizarre, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment étrange. Et les dialogues entre les personnages, je trouve que ça manquait de sincérité, ça manquait de peut-être quelque chose d'un peu humain, de quelque chose de psychologiquement crédible, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui m'a manqué dans la relation entre les personnages, parce qu'on suit l'héroïne qui est la mère. C'est écrit à la première personne du singulier pour une grosse partie des chapitres. Il y avait des choses qui me dérangeaient dans ses relations, notamment avec son mari, avec sa fille, avec les deux filles. Enfin, je croyais pas toujours en ce que je lisais. C'était vraiment dommage. Parce que j'aime beaucoup les histoires autour des enlèvements d'enfants, des disparitions d'enfants. Que ce soit enlèvement ou que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, je vous laisse vraiment découvrir. Mais j'aime beaucoup ce genre d'histoire, mais ici... C'est pas ma préférée. C'est pas grave si l'histoire n'est pas crédible, mais quand c'est quelque chose d'un peu psychologique comme ça, où tu suis un personnage qui a vécu un traumatisme, en gros quand tu suis un personnage dont la fille a disparu, pour moi il faut quelque chose de très crédible. Je sais qu'il y a des thrillers où c'est pas grave, je vous ai déjà dit plusieurs fois, il y a des thrillers où c'est pas grave, parfois c'est sur le ton de l'humour, ou parfois c'est un peu fou tout ce qui se passe dans le roman, et du coup je ris, etc. Mais ici on est dans la thématique de l'enfant qui a disparu, et je trouve que c'est une thématique qui nécessite une certaine subtilité au niveau de la psychologie des personnages, et je trouve que ça manquait énormément dans ce récit, malheureusement. Écoutez, moi c'est tout ce que je peux vous dire pour cette lecture, j'ai un peu une déception, même s'il y a des révélations qui sont chouettes, hein. Franchement, il y a des révélations qui sont chouettes, mais je trouve qu'il manquait beaucoup de choses, une certaine profondeur peut-être, quelque chose au niveau de la crédibilité, ça c'est clair. Et en fait... je vais peut-être me plonger un peu là-dedans ce soir et je vais essayer de trouver un autre roman parce que j'ai envie de lire encore. Hello, je vous retrouve un peu plus tard. On est vendredi et je dois vous parler de certaines petites choses. Je vais d'abord vous parler de ma lecture en cours qui est donc toujours Quand saignent les louves. Donc on est le troisième jour de ce challenge. Je suis sur Quand saignent les louves depuis 2 jours. Et je vous avoue que ça ne passe pas très bien. Voilà, je suis page 106 d'un roman qui en fait plus de 400, presque 500. Et donc je vous dis un petit peu le résumé, on va suivre donc une petite famille, plutôt une petite famille bourge qui s'est installée dans un village, dans un petit village casténois, je crois que c'est ça. Et ils sont installés là, ils vivent depuis un moment et ils côtoient une voisine notamment, Mamilou, qui est un peu excentrique, qui fume des joints et voilà, c'est très drôle. Et c'est la mère de cette famille est un peu coincée, elle veut surtout pas que ses enfants parlent à la voisine parce qu'elle fume des joints, tout ça. Enfin, elle est hyper stricte, c'est un personnage insupportable, le personnage de la mère de cette famille. Et le fils, on sait que Romain, le fils, lui, il aime bien Mamilou, il passe beaucoup de temps avec elle et donc il raconte ses petites histoires et franchement, c'est quelqu'un qu'il apprécie beaucoup. Et en fait, on est au début du roman, on sait que Romain est mort. C'est un jeune garçon de 12 ans, donc c'est assez triste, hein. Un jeune garçon de 12 ans, il est mort et en fait il s'est pendu dans sa chambre. Donc on va suivre un peu une enquête. Alors c'est une enquête très étrange puisque Mamilou, c'est donc la voisine qui parlait souvent avec Romain. Mamilou, elle a une petite fille qui est une prof qui n'a rien à voir avec cette histoire. Et cette petite fille, donc qui a, je pense, la trentaine, va commencer à mener son enquête en fait sur ce qui s'est vraiment passé avec Romain, parce que Mamilou est très inquiète et se dit « Oh mince, il y a des trucs que j'ai pas dit à la police parce que je trouvais que c'était confidentiel » et en fait elle a des doutes sur la mort de Romain, elle se demande pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé, elle se dit « Mais merde, j'aurais dû savoir » et donc elle se confie à sa petite fille, donc sa petite fille va faire une enquête. Il y a un côté un peu déluré dans cette lecture, un côté un peu rigolo, second degré, parce que ce personnage de Françoise, donc cette femme qui enquête, c'est une femme caricaturale, hyper genre elle escalade des rochers avec des talons aiguilles, ça c'est la première scène où on la rencontre quoi, donc on voit tout de suite qu'elle a un langage très fleuri. Et moi ce qui m'embête c'est plusieurs choses, la première c'est cette situation, ces personnages qui n'ont rien à faire là. Alors je suis pas contre de l'humour, dans Funerarium j'avais beaucoup aimé justement le fait que ce thanatopracteur se trouvait tout le temps sur les scènes où il y avait des événements importants et je trouvais ça super drôle parce que ce thanatopracteur n'avait rien à faire là et c'en était rigolo et il y avait un côté un peu savoureux de ce second degré dans Funerarium, mais ici je trouve que cet humour est un peu forcé en fait. J'ai pas beaucoup d'attachement pour ce personnage parce que je le trouve très grotesque.
Mais pourquoi pas? Parce que c'est drôle, c'est second degré. Mais il y a aussi quelque chose qui m'embête dans la manière dont c'est écrit. Alors, c'est pas mal écrit, hein, mais c'est dans la manière dont le thriller est écrit. J'ai l'impression que c'est écrit par un prestidigitateur qui ne veut pas nous dire les choses et qui à chaque fois nous laisse un point de suspension, une silhouette qui lui est pourtant familière, qui connaît même très bien. Et c'est toujours dans le mystère et dans le « Ah, on va avoir une révélation », mais c'est pas fait avec beaucoup de subtilité. J'ai vraiment l'impression qu'il nous dit « Je fais un mystère, mais tu le sauras plus tard. Voilà, démerde-toi. » Sauf que c'est tout le temps comme ça, et ça m'énerve. Voilà, ça c'est pour ma lecture en cours. Je vous reviens un peu plus tard, j'ai toujours autant de mal avec cette lecture. Là je suis au quart, ou allez, je suis au tiers. J'ai vraiment du mal parce que je trouve qu'il n'y a rien qui est crédible en fait. Et autant, dans certaines lectures je vous ai dit, hein, ça me dérange pas, ici ça me dérange beaucoup. Parce que... il n'y a rien, mais absolument rien qui est crédible, quoi. Les personnages qui sont en train d'enquêter, à un moment, ils contactent un policier. Et le policier, à aucun moment, lui dit « Oui, mais vous pouvez pas faire cette enquête, enfin, de quoi vous vous mêlez, c'est pas vos affaires. » Non, le policier, il va à la limite donner des tips, quoi. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Au niveau du style, c'est pas mal écrit, hein. C'est vraiment pas ça, mais c'est toujours avec cet humour que je trouve un peu potache. Je sais pas. Vraiment pas comment le dire autrement, j'ai vraiment du mal, voilà. Je vous reviens encore un peu plus tard, je viens de lire encore 20 pages, en fait je viens vous parler de exactement ce qui me dérange, je crois que j'ai mis le doigt dessus. En soi ça me dérange pas qu'il y ait ce ton humoristique dans un thriller, mais je crois que il y a quelque chose d'un petit peu déplacé dans cette lecture, c'est qu'on parle vraiment de sujets très lourds. Il y a un adolescent qui s'est suicidé, un garçon de 12 ans, c'est vraiment super triste. Et qu'à côté, on ait beaucoup d'humour un peu, parfois lourd. Je trouve que ça va pas du tout avec le thème qui est abordé. Autant dans Funérarium, on parlait d'un personnage qui voulait empailler son enfant. C'est drôle, enfin, moi je trouve ça drôle. C'est hyper cocasse la situation de base et on voit que tout est cocasse dans Funérarium. Ici, la situation est triste. La situation, je dis pas que la fille empaillée n'est pas triste, c'est pas ça, mais la situation ici, je trouve, est très sensible. Et du coup, je trouve qu'on manque de tact, en fait, avec cette histoire. Ça m'énerve parce que j'ai pas envie de retrouver de l'humour dans une histoire qui est vraiment triste. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et je trouve que ça manque, en fait, cruellement de psychologie. Les discours sonnent faux et... Et ça m'énerve parce que je trouve que c'est pas adapté à l'histoire, ce ton adopté dans le récit. Ouais. Il nous dit « Oh, il ne s'attendait pas à trouver une chose pareille !» Fin du chapitre. Et puis chapitre suivant, et à chaque fois, toutes les moitiés de page, t'as une phrase du genre « Et c'est là qu'il se rendit compte que... » On ne sait pas. Et puis on passe à autre chose. Et fin du mini-chapitre, c'est « Mais alors ?» C'était ça la réponse. Et on n'a pas la réponse, bien sûr. Et c'est tout le temps, c'est trop systématique. Je sais pas parler de ce livre, mais j'ai vraiment pas aimé, mais vraiment pas aimé. Donc voilà pour cette lecture. Désolée. Et du coup, je sais pas trop dans quoi me lancer. Parce qu'on est le 29 avril et le 1er mai, ben, c'est le début du mois de la fantasy. Et peut-être que je commencerai bien un roman de fantasy. Donc là, je vais terminer tranquillement mon mois avec une autre lecture. Et dimanche, je commencerai peut-être un roman de fantasy. Voilà. Thank you.
Je vous retrouve un peu plus tard et même beaucoup plus tard pour vous parler d'une lecture. Tout d'abord, j'aimerais juste vous dire que j'ai un peu interrompu mon challenge. Ça fait 3-4 jours là que j'ai arrêté de lire et arrêté le challenge, je l'ai mis en pause et je crois que je vais le reprendre lundi prochain. Alors ça change rien à votre vie, je pourrais même ne pas vous le dire, mais si vous voyez que j'ai vieilli entre le dernier plan et le prochain plan, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de temps qui sera passé pour des raisons qui sont inintéressantes pour vous. J'ai décidé de prendre une semaine où je ne fais pas forcément attention à mes lectures et où je ne fais pas attention surtout à YouTube, voilà, c'est surtout ça. Et donc je passe un moment un peu hors de YouTube et hors de tout ça, et c'est vrai que du coup j'ai pas très envie de lire aussi en ce moment. Donc je vais reprendre ça lundi parce que je sais que j'ai de nouveau pas mal d'heures de train et que ça me reboostera bien pour lire. Donc en fait, j'ai passé, donc pour ce challenge 10 jours 10 livres, j'ai passé 5 jours au cours desquels j'ai lu 3 livres, et donc il faudrait que je vous parle du troisième livre. C'est pour ça que je vous prends aujourd'hui, parce que j'ai vraiment peur si je vous prends lundi prochain pour reprendre le vlog que j'ai complètement oublié cette lecture, parce que je suis déjà sur le point de l'avoir oublié. Donc je dois absolument vous parler de la troisième lecture que j'ai effectuée pour ce challenge. Je reprendrai lundi 5 nouvelles journées pour terminer le challenge et voilà, voir si ça fonctionne, hein. Sinon tant pis, hein, je vais pas me forcer. Voilà, et donc je voulais quand même vous montrer donc la fameuse troisième lecture. C'est un livre, j'ai un peu hésité hein, à choisir une lecture, je savais pas trop quoi prendre, j'hésitais entre tous les livres que je venais d'acheter, et j'ai pris À vif de René Manzor. Il s'agit d'un auteur français que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Moi j'avais celui dont le nom n'est plus, qui est depuis super longtemps dans ma pile à lire, et je l'ai jamais lu, et du coup j'ai lu celui-là parce que le résumé me tentait bien. Je dois vraiment regarder le résumé parce que ça fait de nouveau partie des livres que j'oublie très vite. Je l'ai terminé il y a 3-4 jours et franchement j'arrive difficilement à m'en rappeler, donc heureusement que je n'en parle pas lundi prochain. Donc on va suivre, effectivement, oui, on va suivre une disparition, ou plus exactement une fille qui a été immolée. Donc en gros elle a disparu quoi. Oh, humour noir, je sais pas si vous adhérez à l'humour noir, désolée. Donc en gros, on va suivre une fille, une jeune fille de 13 ans qui a été immolée. On va suivre la vie de famille, donc le petit frère, les parents qui découvrent donc que leur fille a disparu. Et on va suivre aussi l'enquêtrice, le lieutenant capitaine Julie Fraisse, qui est une jeune mère de famille qui veut absolument passer des vacances en famille pour se réconcilier avec son mari en fait. Hein. Et sauf que son patron, son boss lui dit bah en fait meuf, tu dois revenir sur, parce qu'il y a une scène de crime, il faut absolument que tu travailles au moins une journée sur cette scène de crime. Et elle se rend compte en fait, on se rend compte que cette immolation de jeune fille est liée à plusieurs immolations qui ont eu lieu quelques années plus tôt, et il y a un enquêteur en question qui a travaillé sur cette enquête, et il a tellement été perturbé par cette enquête qu'il a fini en hôpital psychiatrique, il va vraiment pas très bien, et donc ils sont obligés de demander de l'aide de ce monsieur, et donc elle va le voir à l'hôpital psychiatrique, lui demander de l'aide. Il est pas très conciliant, on peut s'en douter hein, c'est quand même assez prévisible tout ce qui se passe, les relations entre les personnages, etc. Donc on va suivre cette enquête. Alors, autant vous dire que pour moi ça a été une déception à nouveau. Donc je pense qu'on arrive au bout de ma folie passion thriller avec disparition d'enfants. Je dis pas que j'ai plus envie de lire du thriller de ma vie, c'est pas du tout ça. Je me rends compte que donc j'ai enchaîné quand même pas mal de livres policiers avec souvent des disparitions d'enfants, ou ici... enfin bref, des histoires avec des enfants, et je me rends compte que je commence sérieusement à saturer, et donc je suis contente parce que j'arrive au bout, et j'ai envie de lire autre chose. Voilà, donc je suis assez contente de ça parce que j'ai satisfait en fait ce besoin, j'ai suivi mes envies, et donc là je me rends compte que je suis pas contre un petit thriller, mais il faut pas qu'il y ait un enlèvement d'enfants, ça commence à me saouler. Et je vous avoue que c'est pas uniquement parce que j'ai lu beaucoup de policiers que ce livre n'a pas été une grande réussite. Je pense vraiment que j'ai eu pas mal de soucis avec le style. C'est pas mal écrit, hein, c'est agréable, ça se lit bien, mais à certaines scènes, je sais pas comment expliquer, mais j'avais beaucoup de mal à croire à certaines scènes que je suivais. Notamment, il y a un moment, une scène de sexe qui était très très mal faite, vraiment très mal faite. Je sais que c'est pas important, que c'est surtout les scènes glauques qui sont importantes dans un livre, un roman noir, mais là vraiment si la scène, je la trouvais tellement ridicule que j'ai dû fermer mon livre. L'enquête, je l'ai pas trouvée folle, je me souviens même plus, ah si je me souviens, mais c'est rien de fou au niveau de tout ce qui est révélation, c'est même, c'est trop, enfin vraiment
trop de fois cette chose vue et revue, je dis pas si c'est récemment ou il y a longtemps, mais trop de fois en tout cas. L'histoire de l'enquête, l'enquêtrice, c'est un personnage auquel on s'attache, où je me suis absolument pas attachée. J'ai voulu m'attacher, j'ai essayé de m'attacher parce que moi je m'attache vite quand même aux gens. Et du coup je me suis dit, allez, on va bien s'entendre avec Julie, mais c'était un personnage un peu lambda, une petite révélation qu'on peut quand même voir venir à des kilomètres, enfin voilà. C'est pas fou, franchement c'est pas fou. Et en plus... Non, ça je peux pas vous dire parce que ça va complètement vous spoiler, donc voilà. Du coup là, je sais pas trop dans quoi me lancer. J'ai des petites envies là d'histoires domestiques, de saga familiale, je sais pas trop, ou un petit fantasy, je sais pas encore. Je vais vous laisser là, donc je vais plus vous prendre. Alors peut-être que je ferai des petits plans quand même, mais je vais, voilà, je vais faire une pause. Une pause YouTube, une pause lecture, c'est pas très intéressant, j'aurai peut-être 2-3 rides en plus. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous parler de mes lectures. Hello hello, je vous retrouve un peu plus tard, on est au 6ème jour de mon fameux challenge lire 10 livres en 10 jours, et j'ai lu donc mon 4ème livre. J'ai lu un roman qui est assez difficile à classer au niveau de son genre. C'est une maison d'édition vers laquelle j'ai envie de me diriger depuis très longtemps. À chaque fois que je vois ces livres, j'ai envie de les acheter. Et je ne le fais jamais. Et ici, j'ai craqué lors d'une petite sortie chez la librairie jaune. J'ai acheté ce livre qui me tentait depuis longtemps. Il s'agit des meurtres de Molly Southbourne de Tate Thompson. C'est un livre qui est assez difficile à classer, comme je vous l'ai dit. C'est les éditions Le Bélial et c'est Une Heure Lumière. Je pense que c'est la collection. Je vais quand même regarder un tout petit peu pour voir si dire le genre est un peu spoilant, mais je ne pense pas. On est sur un roman, une novella un petit peu horrifique qui va nous parler de Molly qui est frappée par une malédiction assez particulière. Hein. C'est vraiment le livre le plus bizarre que j'ai pu lire dernièrement. Molly, c'est une fille qui, dès son plus jeune âge, elle découvre en fait qu'elle est... atteinte effectivement d'une malédiction. Donc en fait, dès qu'elle se met à saigner, il y a des doubles d'elle-même qui apparaissent. Donc tout d'un coup, la première fois qu'elle rencontre une Molly, parce qu'on les appelle comme ça, la première fois qu'elle rencontre une Molly, c'est une petite fille effectivement qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui s'amuse sous un arbre, dans un pré, elle vient la rejoindre pour lui parler. Et elle parle avec cette Molly qui a l'air sympathique, et puis tout d'un coup, cette deuxième Molly donc prend une pierre pour essayer de la frapper. Et la maman de Molly trucide cette seconde Molly et donc elle apprend en effet qu'il y a certaines règles à respecter. Les règles, c'est si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bats-toi. Ne saigne pas. Si tu saignes une compresse, le feu du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. Voilà, donc elle a des petites règles effectivement qui lui servent bien dans la vie de tous les jours puisqu'elle rencontre de plus en plus de Molly. Et vous vous doutez bien, à un certain âge, elle va commencer à saigner assez régulièrement et donc à rencontrer de plus en plus de Molly. Et donc c'est marrant parce que les Molly, c'est des doubles d'elles-mêmes et c'est écrit avec un M minuscule, donc on sait que quand le M est minuscule, c'est une autre Molly qu'elle-même, enfin vous voyez. C'est un livre extrêmement troublant parce que je ne savais pas trop où l'auteur allait nous emmener. Je me suis retrouvée vraiment avec la sensation de lire de quelque chose de vraiment étrange. Je ne savais pas trop comment ça allait se terminer. J'ai vraiment apprécié la fin. J'ai passé un bon moment avec cette lecture, même si j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur les raisons, parce qu'on a beaucoup d'informations dans le livre. À un moment, l'auteur nous explique pas mal de choses. Et j'ai envie de comprendre un petit peu plus l'univers de Molly, donc ça me donne envie de lire le tome 2 qui est sorti, qui est le tome 2, je vais un peu regarder. La survie de Molly Southbourne. Alors en considérant la fin du livre qui est très particulière, je me demande vraiment ce que va donner ce tome et je l'ai mis directement sur ma wishlist. Et si je le trouve en magasin, je crois que je l'achèterai tout de suite parce que voilà, je suis très intriguée, c'est un petit livre qui se lit vraiment très vite et ça m'a changé de ces derniers temps où j'ai lu quand même pas mal de thrillers, de policiers. Ici on est vraiment sur quelque chose de sombre mais surtout sur quelque chose de très bizarre, je peux pas vous en dire beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'interprétations métaphoriques de tout ce qui se passait de Molly, mais je ne suis pas assez douée pour aller très loin dans les réflexions. Donc il y a des choses, je me suis dit, ah oui, ça sonne très métaphorique, mais je pense que l'auteur a été bien plus loin que ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, il y a une interview à la fin de l'auteur
qui est clair sur certaines choses notamment et qui donne envie de découvrir d'autres œuvres. Et donc oui, petite lecture sympathique, très bizarre et qui me donne très envie de lire la suite. Voilà. Hello, je vous retrouve un peu plus tard. On est au 7e jour, je sais même plus. Le 7e jour, qu'est-ce qui se passe le 7e jour? Non, c'est pas ça. On est au 7e jour, je viens de parler de ma 5e lecture qui est un livre que j'ai acheté hier et que j'ai lu hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Hier, je pense. C'est le livre des sorcières de Ebishi Maki. C'est un manga que j'ai acheté en même temps qu'on a mis Céline, on a acheté toutes les deux le même, ce qui est un peu débile puisque enfin, on se prête les mangas l'une l'autre, mais je sais pas, je crois qu'on avait toutes les deux très envie de l'acheter, c'est marrant. Et y a des travaux toujours chez moi, hein, donc ça ne changera pas, hein, je pense que ça va durer encore un an, je n'en peux plus. Le livre des sorcières, je pensais que c'est un livre qui pourrait rentrer dans le la fantasy, le mois de la fantasy, je n'ai même plus à parler, tout va bien. Je pensais que ce serait un livre qui rentrerait dedans, mais je trouve qu'on est sur une histoire quand même plus de l'ordre de l'historique, puisqu'on est au 16e siècle. Ouais, c'est sur un personnage, Jean, qui est un assistant d'un médecin assez connu et qui est engagé pour toutes sortes de voilà, toutes sortes de choses, toutes sortes de problèmes, de maladies. Et notamment, à un moment, on lui demande de venir aider parce qu'il y a soi-disant un loup-garou. Et en fait, on va parler notamment justement de suspicion, de sorcellerie, de choses comme ça. On va parler de la peste noire. Enfin, c'est vraiment chouette. Franchement, dès le début, j'ai été hyper, hyper embarquée dans l'histoire. Ce qui est très rare pour moi dans le manga, parce que je trouve que souvent, dans les mangas, alors à part ceux que j'adore, mais souvent dans les mangas, il y a ce côté un petit peu folie qui fait que il y a beaucoup d'informations en même temps et de petites cases un peu humoristiques qui viennent un peu perturber. Alors c'est quelque chose pour lequel, une chose pour laquelle j'ai besoin toujours un peu de temps pour m'adapter et c'est pas toujours, tout n'est pas toujours très clair pour moi dans les mangas. Et ici, je trouve que ici, j'étais tout de suite dedans, j'étais tout de suite embarquée dans l'histoire vraiment dès le début, dès les premières planches. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'histoire. La construction est très originale. On est dans le passé de Jean quand il est petit, puis on le suit beaucoup plus tard. Et puis après, on revient encore à un autre moment de sa vie. Donc on a trois moments de sa vie dans ce livre. Donc la narration est découpée de manière assez étrange. Et moi, j'ai envie de savoir la suite, puisqu'à un moment, on nous laisse tranquille pendant beaucoup de pages. On nous avait laissé avec le Jean presque adulte. Et j'ai envie de retrouver le Jean adulte, mais en même temps, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans son enfance. Et, enfin, vraiment, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé et j'ai très très envie de lire le tome 2, ce qui est très rare. Hein. Je vous ai déjà beaucoup parlé de manga. Je vous ai déjà dit pas mal de fois que oui, le manga, moi, c'est rare que j'accroche à fond à un premier tome. Et ici, c'est vraiment le cas. J'ai envie de lire le tome 2. J'ai vraiment bien aimé. Donc, 5e lecture de mon challenge. Et alors je vous montre juste deux livres qui sont arrivés, donc j'ai passé deux petites commandes. J'ai été fortement influencée, en fait ça fait longtemps que ce livre est dans ma wishlist, et la personne qui m'a vraiment le plus influencée à acheter ce livre, c'est je pense Laura, à moins que ce soit Rêve ta vie en lecteur, Louise de Rêve ta vie en lecteur, je sais pas qui des deux m'a le plus influencée. Mais Manon de Vibration Littéraire a organisé un live qui parlait de fantasy et donc qui proposait des recommandations fantasy. Et elles ont vraiment reparlé de ce livre qui était donc dans ma wishlist depuis un moment. Je me suis dit, ah, c'est bon, je vais craquer quand même. Et donc j'ai pris Rose Éternelle d'Ophélie Duchemin, c'est chez Plume Blanche. Je pensais pas qu'on serait sur un livre avec une texture un peu velours comme ça. Je pensais que ce serait différent. On est sur un livre très lourd quand même à porter. Oh putain, c'est grave ça. Bref, ici on est sur une réécriture de conte de la Belle et la Bête et visiblement c'est vachement bien fait parce que je suis pas très fan moi du conte de la Belle et la Bête. Il y a des choses que j'aime bien dans cette histoire mais voilà, je suis pas hyper fan. Par exemple Sarah Jimas, j'ai pas tellement aimé, moi c'est pas trop mon truc. Mais ici je vous avoue que je suis très intriguée par cette autre réécriture de la Belle et la Bête. Je me demande ce qu'ils vont en faire parce que je trouve qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment bien avec cette histoire de base. Je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien et parfois même un peu dark, donc on va voir ce que ça et donne. Et alors j'ai aussi reçu ceci, ça fait un long moment qu'il est dans ma wishlist. Il s'agit de The Girl Who Fell Beneath the Sea et en fait c'est un livre, j'ai toujours retardé l'achat de ce livre parce que déjà je le trouvais jamais.
Que ce soit à Waterstones en chez Waterstones en Belgique ou même en Hollande. Je ne l'ai jamais trouvé, donc j'ai fini par le commander. Il paraît que c'est vraiment bien. En plus, c'est un livre qui n'est pas très très long. On est près de 300 pages. Visiblement, ici, on a vraiment des personnages intéressants, de femmes assez puissantes, enfin, vraiment de femmes assez intéressantes à suivre. On est sur un univers très étrange, très particulier, et il semblerait que ce soit très bien fait, et surtout que ce soit hyper immersif. Et donc moi, je suis très intriguée par cette lecture. J'ai exceptionnellement pris la version brochée. J'ai exceptionnellement pris la version hardback parce que je trouve la couverture plus belle, et parce qu'il est justement, il n'était pas très lourd. J'ai regardé le poids, franchement je crois que je suis la seule personne au monde qui regarde le poids des livres avant de les acheter. Et donc voilà, je suis super contente, et je sais pas quand je vais le lire, mais en tout cas je suis ravie de cet achat. Voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que vous entendez, j'ai une voix incroyable, hyper sexy. Je vous retrouve plus tard. Hello, je vous reprends, ça fait longtemps, je suis dans la cuisine. Je viens de rentrer du boulot et j'avais envie de vous parler, mais en même temps j'ai pas trop le temps de vous parler, donc je me suis dit que je vais faire deux choses en même temps en essayant de pas faire trop de bruit. Donc là je viens de rentrer, j'ai besoin d'un peu souffler comme tout le monde, et donc je vais me faire un petit matcha latte glacé. Je sais que c'est un peu la boisson à la mode, mais je suis une vraie passionnée de matcha, hein, c'est pas parce que c'est à la mode. Et je vais faire ça vite en mode freestyle, hein. Et donc... Et donc, petite nouvelle, ça fait longtemps que je vous ai plus pris en vidéo parce que le mois de mai et juin, je pense que pour beaucoup de gens qui travaillent dans l'enseignement et particulièrement dans l'enseignement musical, ce sont deux mois qui sont hyper chargés. À ça s'ajoutent les concerts, enfin voilà, c'est un mois un peu difficile. Du coup, j'arrive pas trop à me poser et surtout me poser pour lire. Et donc en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau de la lecture. Je vous en parlerai peut-être juste après quand je serai un petit peu plus posée avec mon matcha latte. C'est pas très important, mais c'est pour vous dire que mon challenge 10 jours 10 livres, je pense que ça devient un mois dans lequel j'essaye de prendre 10 jours au cours desquels je lis. Donc j'ai pas beaucoup lu en fait ce mois-ci. Par contre, j'ai regardé une série qui est la série Working Mom. C'est donc des mamans qui travaillent, comme le titre l'indique. Et donc visiblement c'est une série qui a pas mal de succès. Ce sont des petits épisodes de 20 minutes et c'est assez cool les épisodes de 20 minutes parce que justement quand t'as pas trop le temps, tu peux vite clôturer un petit épisode par-ci par-là. Excusez-moi, je fais touiller mon matcha pendant que je vous parle. Donc oui, des petits épisodes de 20 minutes et c'est une série dans laquelle on va suivre différents personnages qui... Il y en a une notamment qui est en postpartum assez terrible et je trouve ça chouette de parler de ces sujets notamment dans des séries qui sont sur Netflix, grande plateforme où t'as quand même beaucoup de gens qui regardent. Moi j'ai regardé toute la série, voilà, donc ça va vite hein, et j'ai passé aussi des épisodes qui m'intéressaient pas. Donc c'est vite dit, j'ai regardé toute la série. J'ai vraiment bien apprécié, je trouve tout, vraiment les premières saisons sont vraiment bien, et la dernière aussi. Mais celle du milieu, c'est pas fou. C'est vraiment une série qui m'a fait passer un bon moment. C'est à chaque fois 20 petites minutes, donc il suffit, voilà, je prends le linge, il y a deux épisodes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est faire pas mal de choses en regardant ces séries, parce que je regarde ça du coup en cuisinant, et ça passe super vite, c'est pour ça que j'ai regardé 6 saisons. En 20 jours quoi, enfin voilà. Donc ça c'est pour Working Mom. Bon, mon matcha est terminé de toute façon, donc je vais me poser. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler un peu de lecture, donc je crois que je vais reprendre mon challenge. Ben là j'ai relu aujourd'hui, donc je pense que je vais compter ce jour-ci comme le 8e jour. Et donc j'ai repris un petit peu la lecture, mais on va peut-être pas crier victoire trop vite parce que je suis à la page 30 d'un livre et donc on ne sait pas si je vais le continuer. Il s'agit d'un roman d'Ophélie Duchemin, ça fait longtemps que j'ai envie de le découvrir, je pense que je vous en ai parlé dernièrement. Écoutez, je suis à la page 31, pour le moment ça s'annonce bien. Je trouve vraiment que le style est agréable, on sent que c'est travaillé. Je dis pas que les autres livres sont pas travaillés, c'est pas ça, mais on sent le travail. C'est un style simple, mais on sent que c'est très soigné. Je trouve comme style, je sais pas comment le dire autrement. Parfois il y a des petites maladresses, mais sinon c'est vraiment agréable à lire. Je suis très curieuse de voir l'univers se développer, parce que pour le moment j'apprécie plutôt pas mal les personnages. Bon, je suis pas très loin, hein, mais je pense que je vais passer un bon moment. Maintenant je suis vraiment dans une phase où j'arrive pas trop à lire de manière régulière, donc j'espère que ça va aller pour cette lecture. Je croise les doigts, j'ai beaucoup d'espoir parce que ça fait un livre que j'ai envie de lire depuis vraiment longtemps, donc j'espère que ça ira.
Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre avec moi aujourd'hui, demain et après-demain pour les 3 derniers jours du challenge. Et tant pis si je lis pas, il faut bien un jour que je l'arrête ce challenge. Voilà, et donc je viendrai vous parler de ce que j'ai pu lire. Mais bon, ça va être un peu compliqué vu que demain je donne un concert, donc je vais être exténuée. Je pense pas que j'aurai la force de lire. Mais c'est pas grave, je vais essayer d'avancer là-dedans et vous donner un petit peu plus de nouvelles. Voilà. Bref, je vais vous laisser là, je vais ranger ça, je vais ranger mes seins aussi, hein, ça peut être bien. Et je vais aller faire du violoncelle, hein, absolument, sinon ça ne va pas le faire. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler un petit peu de l'avancée de ma lecture, puisque je suis toute seule à la page 73 de ce roman. J'ai avancé, donc j'ai dépassé la page 50, j'ai dépassé le fameux stade de la page 50, donc c'est plutôt bon signe, mais c'est vrai que je suis dans une lecture un peu fractionnée, un peu beaucoup, hein, vu que je lis quelques pages par-ci, par-là, et donc je n'ai pas vraiment le temps, en fait, vraiment de me mettre complètement dans cette lecture. Mais je pense que c'est plutôt bien parti, donc je vous parle un petit peu du roman, je sais pas si je vous ai déjà fait un résumé. Pour le moment, en tout cas, on est avec le personnage de Méliane, qui est l'héroïne de ce roman. D'ailleurs, c'est un très joli prénom, je trouve. Méliane, c'est une jeune femme de la haute société, elle vit avec son père et sa sœur. Et à un moment, on rencontre son frère qui rentre, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Elle n'a pas une relation très saine, je trouve, avec sa sœur, puisque sa sœur est visiblement très jalouse, une relation un peu superficielle avec sa sœur, la meilleure relation avec son frère et surtout avec son père. Je ne sais pas vraiment vous en dire plus, hein, au niveau du résumé, parce qu'on est vraiment, on installe l'univers, on rencontre les personnages. Il se passe pas grand chose pour le moment, à part une petite intrigue, un petit peu, un petit complot, puisque il y a des marchandises qui ont disparu, des marchandises dont était responsable le père de Méliane, et évidemment il y a une disparition de marchandises, et il va y avoir, je pense, des complots et des petits trucs un peu politiques, parce que c'est lié à la situation politique des pays dans lesquels on est, puisqu'on va suivre aussi un autre personnage qui est Adriane, qui est un jeune, on découvre au début que c'est un jeune prince, et Adriane, on sait que c'est la bête, hein, puisque à un moment, il court dans les bois avec sa fourrure, et il tue des gens, et il y a une scène trash et tout. J'en parle super bien, hein, vous avez vu. Alors, pour le moment, c'est vrai qu'on est très tôt dans la lecture, je suis passée 73 d'un livre qui en fait plus de 500. Je n'ai pas encore l'aspect un petit peu original de cette lecture. Je pense que c'est normal, hein, on est sur les bases de la lecture, mais on est sur les bases de l'histoire, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore dans le développement des personnages quelque chose de follement original. On est sur une histoire pour le moment et des personnages plutôt convenus, des choses qu'on a déjà vues à gauche à droite, par exemple Méliane, qui est une jeune fille qui n'est pas consciente de sa beauté, qui s'habille dans des habits qui ne la mettent pas en valeur. Et on sait qu'elle a un succès avec les hommes, puisque déjà, il y a un ancien ami de la famille, on voit déjà avant la page 73 qu'il est attiré par elle, et on voit aussi un jeune noble qui va convoiter sa sœur. Visiblement, ce jeune noble la convoitait elle, sauf qu'elle refusait.
Voilà, pour le moment, c'est pas un personnage très original, mais je suis bien dedans, je passe un bon moment, l'écriture est vraiment agréable, je passe un bon moment. J'espère qu'on sera quand même, même si bon, l'histoire on la connaît de base, hein, mais j'espère qu'on sera sur quelque chose de... Que la suite va me plaire en fait, j'ai un petit peu peur avec cette lecture, mais voilà. J'avais une échéance hier au niveau du boulot qui s'est terminée, donc je suis super contente et plutôt fière de moi. Voilà, c'est très rare, mais ça arrive. Et j'ai décidé de m'offrir un petit cadeau et j'ai vu que sur la boutique de Sous la Canopée, qui est une boutique de plantes, dont je vous parle tout le temps hein, quand je parle de plantes, ils ont fait une collaboration avec un artiste qui fait des créations de boucles d'oreilles en rapport avec les plantes. Donc une de boucles d'oreilles pour les plantes addictes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je vais aller voir, le prix est pas excessif et c'est vraiment très joli. Et en fait, en magasin, j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles que je trouvais magnifiques. Et en fait, je ne les ai pas essayées, donc je vous montre, hein, ce sont des petites Calathea. Si vous êtes plante addict, je pense que ça va tout de suite vous parler. Ce sont des petites Calathea. Alors, ce sont des boucles d'oreilles qui sont vraiment magnifiques. Alors moi, je suis un petit peu déçue parce que... elles ne me vont pas en fait. Je trouve que c'est pas... Ou alors je vais m'habituer. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Voilà. J'hésitais avec d'autres et je me dis peut-être que j'aurais dû prendre des un peu plus petites. Il y avait aussi des Séropéga Woody, vous savez, les petites chaînes de cœur. Il y avait 3 cœurs l'un à la suite. Et peut-être que j'aurais dû prendre ça. Ici, je suis pas... Alors j'aime bien, hein. En soi, c'est super original, mais... C'est pas l'effet que je pensais que ça allait faire en fait. J'aurais dû les essayer. Mais je suis très très fan de toutes les boucles d'oreilles qu'ils vendaient. J'ai fortement hésité avec d'autres. Je pense que j'aurais été mieux avec d'autres en fait. Mais bon. Bon, là c'est mon avis pour le moment, mais je sais pas ce que vous en pensez. Un petit peu plus tard, on est en fait vachement plus tard hein, que le dernier plan, donc de nouveau c'est un vlog qui aura été presque sur un mois, j'ai l'impression, pour essayer de piocher 10 jours. Et j'avais envie vraiment de vous parler de mes 3 dernières lectures là pour clôturer ce vlog, et aussi de vous parler d'une toute petite chose qui est, enfin pas une petite chose, c'est une petite réception que je vous ai montrée là dernièrement. Je l'ai pas encore lu, je l'ai reçu hier ou avant-hier, je l'ai ouvert devant vous il me semble. Et en fait c'est un récit qui me tente énormément, c'est une autobiographie non binaire comme ils le disent. C'est Maya Kobabe qui a écrit ça. Et je pense que ça va être une chouette petite lecture pour un potentiel week-end d'amis que j'ai l'intention de faire prochainement. Voilà, donc j'ai hâte de le lire et j'avais oublié qu'il sortait parce qu'il est sorti début mai. Et un petit souci, je pense, avec la maison d'édition au niveau des envois. Et c'est vrai que comme j'ai demandé très très peu de choses, je pense qu'ils ont peut-être zappé. Et du coup, je l'ai reçu un peu plus tard et je suis super contente. Voilà, et j'en ai entendu parler nulle part. J'ai encore vu personne qui l'a lu celui-là, donc j'ai hâte de le découvrir. Sans trop, bah justement, sans avoir des avis des gens, quoi. Ensuite, j'ai clôturé mon challenge avec 3 lectures. Donc j'ai lu 2 mangas et 1 roman de fantasy.
Je vais commencer par les deux mangas, je vais aller assez vite, et puis je vais terminer par le roman de fantasy young adult. Les deux mangas que j'ai pu lire, donc ma 6ème et 7ème lecture, alors j'ai même plus le compte, hein, je pense que je me trompe peut-être dans le décompte des livres, mais c'est pas très grave. Donc 6 et 7ème lecture que j'ai lu, c'est le tome 5 et 6 de Les Liens de Sang. Shuzo Oshimi. Alors je vous ai déjà plusieurs fois parlé de cette saga, c'est une saga qui était dans mon bilan de l'année 2021, je vous avais dit que c'était une lecture marquante et que je pense que je m'étais arrêtée au tome 5 parce que j'étais dans un moment, moi je suis beaucoup une lectrice de moments et j'étais dans un moment, alors les premières lectures j'avais adoré et en fait tout d'un coup je me suis retrouvée, je ne sais pas pourquoi, dans un moment de ma vie où j'avais pas envie de lire, un moment de ma semaine ou de ma journée, je ne sais pas, où j'avais pas envie de lire un truc aussi sordide, enfin, aussi noir, aussi malsain. Voilà, c'était trop pour moi à ce moment-là. Du coup, je me suis dit que j'allais lire plus tard. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai relu le tome 5 que j'avais déjà lu, du coup j'avais oublié. Et j'ai lu le tome 6. Au niveau de l'ensemble de tous les tomes, c'est vraiment une très bonne saga. Maintenant, c'est quelque chose qui va vraiment très lentement. Il y a très peu de textes. Bon, c'est un manga, hein, mais il y a des mangas où il y a quand même bien plus de textes. Je pense à l'histoire des sorciers dont je vous ai parlé aussi dans cette vidéo. Il y a très peu de textes, ça avance très lentement. Et du coup, bah, on le lit très vite, forcément. C'est logique. Et du coup, forcément, ça se lit très très vite. Ça crée une ambiance très très malsaine au fur et à mesure des tomes, c'est de plus en plus, j'ai l'impression que c'est de plus en plus oppressant. Au niveau de l'histoire, je vous en ai déjà parlé, mais je vous fais un bref résumé pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très simple, hein. C'est l'histoire d'un jeune garçon, enfin simple, est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire simple? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec ses parents et on sent que... Donc c'est un jeune adolescent qui doit avoir quoi, 14 ans, je ne sais plus exactement quel âge il a, et il a une mère très oppressante qui est tout le temps là, qui est aux petits soins derrière lui, mais beaucoup trop en fait, et disons qu'elle prend tellement soin de lui que ça prend certaines proportions, donc il y a des choses qu'elle fait qui sont très malsaines, je trouve, et effectivement de plus en plus au fur et à mesure de la lecture, c'est très malsain. Et à la fin du premier tome, il se passe un événement majeur qui va un petit peu changer le cours de l'histoire. Et c'est de plus en plus malsain. Voilà. Bienvenue dans les chez les chroniques du Hérisson avec cette lecture. Écoutez, moi j'ai bien aimé. J'ai autant aimé, je pense, que les autres. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, comment ça va se terminer. Parce que j'imagine que ça va un jour se terminer, cette histoire. J'espère que ça va pas encore grandir au niveau du malaise, mais je pense que oui, hein. Voilà, et je sais pas quel genre de message on va laisser à la fin, alors je ne sais pas s'il y aura des messages, hein, mais je ne sais pas ce que va apporter l'autorice. Enfin, c'est un auteur, une autrice, je ne sais pas, bref, je ne sais pas ce que va apporter la personne qui a écrit. Si c'est en mode thriller, ça termine de manière horrible, ou si c'est en mode justement tout est réglé, enfin je sais pas trop comment ça va se terminer et j'ai envie d'enfin avoir le fin mot de l'histoire. Avant de vous parler de ma lecture fantasy, là qui fait durer le suspense, c'est vrai que du coup je filme la fin de cette vidéo beaucoup plus tard. Donc entre temps il s'est passé plein de choses, alors j'ai pas vlogué pendant tout ce temps, mais entre temps j'ai quand même acheté deux livres et donc je voulais vous les montrer. Parce que je me suis dit, je vais pas attendre le prochain vlog pour vous les montrer, c'est pas très intéressant. Mais c'était intéressant de vous montrer que j'ai acheté le tome 2 de cette saga. Voilà, je suis pas très loin. Le tome 2 du livre des sorcières. C'est un livre qui, je trouve, rentabilise bien ses 10,75€ parce que je trouve que c'est assez complet. C'est un manga un peu plus lent et un peu plus grand, pardon, j'arrive pas à parler, je suis fatiguée. C'est un manga un peu plus grand, il y a beaucoup de contenu sur deux pages et effectivement il y a pas mal de textes, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui se lit plus doucement, j'ai l'impression, que bah, l'autre livre dont je vous ai parlé. Et je passe vraiment un très bon moment avec cette saga. Et alors j'ai craqué sur un livre. Je me suis acheté, je me suis dit quand j'ai pris celui-là en main, je me suis dit si j'achète celui-là, j'achète que celui-là parce qu'il coûte la peau des fesses, hein, clairement. C'est Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan de chez Bragelonne. Alors c'est un livre que j'ai vu passer dans les sorties effectivement du mois de mai. J'ai pas encore vu trop d'avis dessus et c'est ça qui m'intéresse bien. À la librairie j'ai demandé s'ils avaient une version souple et ils n'en avaient pas. Et j'ai déjà été dans deux autres librairies où je l'ai vu et ils n'avaient pas de version souple. Et en fait, moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas.
Si je trouve ça beau, c'est cool et tout, mais pour le transport, c'est embêtant pour moi les couvertures dures parce que c'est plus lourd. Donc en fait, l'histoire se passe en 1345 en Chine et on nous dit que c'est une épopée historique et queer. Pas mal, ça me tente bien ça. Et en fait, on nous dit que c'est un récit lumineux, plein d'humour et de tendresse, de noirceur. Et ouais, je suis très très intriguée par cette lecture. Et il est catégorisé, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, je ne sais pas si c'est vrai, en SF horreur. Alors horreur, ou peut-être que c'est dans la catégorie du magasin où il mélange SF et horreur, peut-être. Est-ce que ce serait de la science-fiction? Parce qu'on nous dit quand même que c'est pas de l'historique. Je ne sais pas, je suis très intriguée par ce livre. Et maintenant, je vais terminer en vous parlant de mon premier roman que j'ai lu pour le mois de la fantasy, parce que j'ai lu plus des mangas. J'ai lu un manga? Deux mangas? Je sais même pas. Je sais même plus. Oui, j'ai lu un deuxième manga que vous avez vu dans une autre vidéo, et j'ai lu un roman de SF. On va dire que c'est bon, hein. Voilà. J'ai lu une réécriture de La Belle et la Bête, Rose éternelle, d'Ophélie Duchemin. Je vous en ai parlé la dernière fois, je pense en disant quelques avis au cours de lecture, et là je peux vous donner mon avis final. Donc, ça fait un petit moment que j'ai terminé, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est vrai qu'en vlog j'aime bien vous en parler à chaud, mais je crois que je l'ai terminé genre, c'était la nuit quoi, donc j'allais pas vous prendre au milieu de la nuit. Coucou, c'est la nuit, je viens vous parler de cette lecture. Enfin, je le sentais pas comme ça, donc je vais vous en parler un peu plus tard, j'ai pas eu le temps avant, donc il y a quelques jours qui sont passés, donc c'est un peu... Bon, c'est un peu embêtant pour un vlog, mais c'est pas grave. Donc ici, Rose éternelle, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je vous ai déjà dit dans cette vidéo que moi, La Belle et la Bête, je ne suis pas très fan de cette histoire. Je suis peut-être la seule personne au monde. Je suis pas hyper fan de l'histoire de base. J'ai pas grandi, moi, forcément, avec les Disney. Et je n'ai pas cet attachement à ce Disney que peuvent avoir les gens, même mon compagnon, en fait. Hein, quand on a vu le film Disney La Belle et la Bête, j'ai pas trouvé ça fou. Et lui, il chantait les chansons, quoi. J'étais là, qui est cette personne? Non, je rigole, mais... Je rigole, je comprends parfaitement qu'on puisse aimer, mais c'est juste que moi, je pense que j'ai pas cet affect. J'ai jamais accroché à cette histoire. Et il y a quand même quelque chose, il faut le dire, même dans cette réécriture, d'un petit peu bizarre, quoi, avec cette bête. Avec ce jeune homme qui... Puisqu'il a un pelage et tout, et il a quand même... toutes les caractéristiques physiques d'une bête, donc les crocs, les griffes et tout ça, et il y avait parfois quelque chose qui me gênait un petit peu, mais peut-être parce que je suis un petit peu coincée, je ne sais pas hein, quelle est la raison, mais parfois ça me gênait un tout petit peu, mais bon c'est comme ça. Je suis plus fan d'autres choses comme La Petite Sirène notamment, dont Ophélie Duchemin a fait une réécriture dont j'ai hâte et que j'ai commandé. Et d'ailleurs c'est une des rares, je précommande jamais des livres, très rarement. Et celui-là, je l'ai précommandé. Donc ça vous donne un petit aperçu quand même sur mon avis de cette lecture. Alors, on va suivre l'histoire de... Comment elle s'appelle déjà? Méliane. Ah mais oui, c'était un joli prénom, je trouvais. Méliane. Et au début du livre, elle apprend qu'il y a des problèmes avec un transfert de bateau parce que son père travaille dans tout ce qui est... Enfin, on est près d'un port. On sait qu'il y a une coude dans le potage, quoi. Il y a un problème. Et elle veut absolument aider son père pour savoir ce qui est arrivé à une cargaison. Une cargaison qui a disparu et elle a peur que son père, qu'il se soit passé quelque chose et que son père ait des problèmes. Du coup, elle va un petit peu enquêter. Elle va se déguiser en homme, elle va faire des trucs un peu... Enfin, qu'on voit souvent hein, dans ce genre de livre, elle va se déguiser en homme, elle va écouter des conversations. Et un jour, il va se passer quelque chose à peu près, on va dire ici dans le récit. Et elle va devoir fuir. Je vous laisse vraiment découvrir tout ce qui peut se passer. Après pas mal d'accumulations, de petits événements, elle va se retrouver emprisonnée dans le cachot du château. Ben, on se doute de qui, hein, vu la réécriture que c'est. Et elle se retrouve emprisonnée dans le cachot et elle rencontre du coup la bête, la fameuse bête. Elle rencontre la bête et un compagnon de la bête qui est là. Et ces gens sont très drôles, visiblement. Quand ils papotent entre eux, ils ont des fous rires et voilà. Et c'est assez cocasse, franchement. Les petits passages où elle rencontre la bête et le pote de la bête, ils sont en train de... Ils se retiennent de rire, quoi. Parce qu'elle a un franc-parler assez incroyable. Je pense que c'était le pire résumé de l'univers, mais je pense que vous avez quand même compris parce que vous êtes intelligent. Donc on retrouve l'ambiance Belle et la Bête. Alors clairement, en étant tout à fait honnête,
quand je vous ai parlé Sarah G. Maas, là, la réécriture, là, Court of Thorns and Roses, un palais d'épines et de roses, c'est aussi une réécriture de La Belle et la Bête, eh bien, je trouve ce livre vraiment meilleur. Voilà, ça c'est mon avis, parce que j'en aime pas tellement Sarah G. Maas, voilà. Mais c'est mon avis, j'ai préféré Rose Éternelle. Je sais qu'il y a des gens qui ont regretté que Rose Éternelle soit un petit peu long, qu'il y ait des choses, que les événements soient un petit peu longuets. Alors moi, je n'ai pas forcément ressenti ça comme des longueurs. J'ai trouvé que l'autrice, effectivement, prend son temps pour créer son univers, pour introduire ses personnages. Elle prend son temps et ça marche. Moi, je trouve que ça marche. J'aime bien, justement, que tout ne soit pas acquis et qu'on puisse m'expliquer telle ou telle chose dont il me manque les informations, et j'ai vraiment besoin de, parfois de prendre le temps pour rentrer dans un univers qui n'est pas hyper complexe, hein. C'est pas un univers hyper complexe comme peuvent l'être des romans de fantasy. Ici, on est sur de la fantasy, je dis fantasy, la légère fantasy, je sais pas trop comment dire, mais je dis légère dans le sens où c'est pas un univers hyper compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est l'entrée dans un univers qui peut se complexifier dans d'autres tomes. Alors ça se finit, hein, la réécriture ici, ça c'est chouette aussi. Mais on introduit un personnage à la fin du récit et on sait, en toute logique, vu le prénom de ce personnage, je pense que ça va être un des héros du Murmure de l'Océan. Voilà. Mais bref, ça prend son temps. Moi, ça m'a pas dérangée. Sauf peut-être à la fin où il y avait certaines longueurs, mais... Voilà, c'est parce que souvent, moi aussi, à la fin, j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire, j'ai envie d'avoir pas les révélations, mais avoir le moment final, etc. Et c'est vrai qu'à la fin, toujours quand l'auteur prend un peu de temps, moi, ça me frustre toujours un petit peu, mais je pense pas que c'était trop long. Donc, voilà. Moi, j'ai lu ce livre de manière assez particulière parce que je l'ai lu sur un très long laps de temps. J'étais presque en panne de lecture, je lisais très peu, j'avais très peu de temps. Et du coup, j'ai lu par-ci, par-là, et c'est un livre qui m'a agréablement accompagnée, malgré le fait que ça prenait du temps, justement. J'étais bien dans cette lecture, j'étais vraiment bien. Franchement, j'ai passé un super chouette moment avec cette lecture. Alors bien sûr, il y a les petites choses, mais ce livre m'aura sorti quand même, il faut le dire, d'une sorte de petite panne de lecture, d'un moment où je tâtonnais, j'arrivais pas trop à lire, à trouver du temps, et vraiment, j'ai déglingué la fin parce que je voulais vraiment savoir tout ce qui allait se passer. Quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une écriture totalement romantique. Non seulement dans le sens, dans l'histoire, le côté exacerbé des sentiments, etc. Mais aussi, dans l'écriture, je trouve qu'il y avait quelque chose de très joli dans l'écriture. De romantique, ouais, je sais pas comment le dire, de sensible, de un peu fleur bleue comme ça dans l'écriture. Une écriture travaillée qui, je pense, ne plaira pas à tout le monde, mais moi ça m'a plu. Voilà, j'ai bien aimé la manière dont elle a présenté cette histoire, moi ça m'a plu, et je trouve que ça correspondait bien à notre histoire. Tout ce qui concerne un petit peu la romance, c'est clair que la romance prend une grande part, mais tout ce qui est autour est vraiment joliment présenté. Je trouve que Méliane, aussi attachante soit-elle, elle manquait un petit peu de failles. Et les défauts qu'elle a n'en sont pas. Voilà, elle est impertinente, mais ça rend ça drôle. Elle est un peu casse-cou au début, ça m'énervait un petit peu, mais en fait, c'est pas un défaut, c'est du courage, vous voyez. Et il y a certaines choses dont, justement, je trouve que ce personnage, aussi attachant soit-elle, elle manquait peut-être d'une petite profondeur, une petite faille. Un défaut quoi, merde, tout le monde a des défauts, donnez-lui un défaut. Et là j'avais vraiment l'impression, ah oui mon défaut, je suis curieuse. C'est pas un défaut, enfin faut arrêter, si ton seul défaut que tu trouves c'est être curieuse, ça ne va pas. Et j'avais un petit peu cette impression là avec Méliane, qui n'est pas très bien dans sa peau pourtant, et qui se rend pas compte de sa valeur, etc. Mais je trouve qu'elle est trop parfaite, je trouve qu'il lui manque effectivement... un défaut. Et dernière chose que je regrette aussi, la fille n'arrête pas de critiquer un livre qu'elle a pourtant beaucoup aimé. dernière chose que je regrette aussi, c'est qu'on a des révélations qui sont assez prévisibles. Et je parle pas en tant que lectrice de thriller, parce que quand je suis justement
dans un autre roman qui n'est pas du thriller, je pense que je suis moins à la recherche de réponses à mes questions. Et je pense vraiment que n'importe qui peut trouver les réponses. Enfin, franchement, elles donnent des gros indices, quoi. Et donc, voilà, il y a certaines révélations qui sont censées être des révélations où t'es censée être là. Quoi ? Eh ben, t'es pas du tout là, quoi. C'est dommage. Voilà. Sinon, globalement, pour résumer, c'est un livre qui m'a sorti carrément d'une panne de lecture, qui m'a accompagnée pendant de longues journées, qui m'a donné quelques petits frissons aussi de par la romance, et un univers intéressant dont j'ai envie de découvrir plus de choses. Certains personnages secondaires aussi qui sont intéressants, que j'aimerais effectivement découvrir un petit peu plus. L'autrice a pris le parti de quand même mettre en évidence de temps en temps des personnages secondaires, ce que j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai ri par moment, j'ai passé vraiment un super chouette moment. Et toujours au niveau des points positifs, je trouve quand même que ce livre, pour tous les bons moments qu'il m'a fait passer, pour son travail d'écriture, pour tout, il est bien meilleur en tant que petite maison d'édition Plume Blanche qui est quand même, bon, qui commence à grandir, j'ai l'impression. On en entend un petit peu plus parler maintenant, mais c'est vrai que ça reste une petite maison d'édition. Et je trouve que ce livre-là est meilleur que pas mal de livres que j'ai pu lire dans ce style, publiés chez des maisons d'édition bien plus connues. Voilà pour ça. Les points négatifs, je vous les ai déjà dit, je pense que c'est surtout au niveau du personnage principal qui, je trouve, manquait. Elle avait ce côté hyper agaçant d'être toujours parfaite, même dans ses imperfections, qui n'en étaient pas vraiment. Et dernière chose, je tenais quand même à le dire, vous allez me dire, je suis hyper chiante, c'est un livre... je pense que je lirai le tome Les Murmures de l'Océan que j'ai donc commandé. Je pense que je lirai soit chez moi, soit je prendrai une version e-book. Comme je suis quelqu'un qui a souvent des problèmes à la nuque, pour éviter de trop souvent lire comme ça, parce que ça me fait vraiment mal, je lis comme ça souvent. Mais ce livre est tellement lourd que je finissais par avoir mal au bras, quoi. C'est lourd, c'est un petit peu trop lourd en fait. Je voulais juste vous le signaler et pas forcément le critiquer, parce que je sais bien. La pénurie de papier, je sais bien qu'il y a des soucis, que le papier ça coûte cher, qu'on n'a pas toujours moyen d'avoir un format idéal. Voilà, sachez juste que le lire comme ça, c'est pas top, quoi. Enfin, il y a certains livres, c'est pas conseillé. Donc j'avais un peu du mal, je me suis retrouvée beaucoup de fois à me dire « Merde, je sais pas comment lire ce livre à part le lire comme ça, quoi. » Dans le bus, ça le fait, hein, salut. Voilà, écoutez les amis, j'ai assez parlé, j'ai l'impression d'avoir dit pas mal de bêtises aussi dans ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été mais interminable, ça va être un beau bordel à monter, je sais pas comment je vais m'en sortir. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.